Salut David Nation, il y a longtemps j'ai fait une IT TV. En fait là je fais pour vous annoncer une excellente nouvelle. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans la programmation en apprenant directement les langages comme HTML, JavaScript, PHP, tout ça, sans apprendre les fondamentaux de la programmation. Or c'est vraiment important, c'est ce qu'il faut apprendre en première position pour ensuite apprendre ces langages que je vais citer. C'est, ça se voit en entreprise quand on prend des stagiaires ou quand il y a de nouveaux ou il y a des débutants en développement. Ensuite, les projets web ou les projets de développement d'applications, ils ne savent pas par quoi démarrer parce qu'ils n'ont pas les fondements de la programmation. Comment décortiquer un problème en application pour également donner vie à cette application? Voilà pourquoi OSchool ouvre un bootcamp intitulé Apprenez à coder, bootcamp pendant lequel vous allez apprendre les fondements de la programmation. D'accord, l'industrie, je dirais, c'est, cette introduction à la programmation va vraiment constituer la première étape, d'accord, qu'il faudra vers une carrière dans les domaines du développement d'applications web et d'applications. Vous pouvez également vous orienter dans la carrière de la science des données, de l'intelligence artificielle ou plus encore. Vraiment, c'est un programme qui est parfait pour les débutants. Il est fait en collaboration avec CINETP et Epistrophe, qui sont deux de nos entreprises favorites. Donc, pourquoi suivre ce parcours? Comme je l'ai dit, apprendre les fondements de la programmation, c'est vraiment important pour tout développeur. Avoir la pensée du programmeur, c'est vraiment la base. Et aujourd'hui, les connaissances en programmation sont indispensables, vraiment indispensables. Et apprendre à coder, c'est l'une des choses les plus précieuses et les plus utiles que vous puissiez faire. Comme vous pouvez le constater, en francophonie, il y a plus d'un million d'emplois, je dirais, vacants en programmation en 2019. Donc, même si que vous soyez peut-être enthousiasmé par l'apprentissage de la programmation, si vous trouvez ça fun ou que vous voulez vraiment vous reconvertir ou vous orienter parce qu'il y a beaucoup d'offres dans ce domaine, je vous conseille vraiment de vous inscrire à ce programme, d'accord? Le temps, il est vraiment compté. Les inscriptions finissent le 25 mai, parce que le 25 mai, c'est le début. Comment ça va se passer? C'est 4 samedis dans le mois, donc le prérequis, il vous faut avoir un ordinateur et résider à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et, comment dire ça? C'est 4 samedis en salle, avec moi. Avec moi. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont contents parce que ce sera moi qui vais vous prendre. On va ensemble parcourir un certain nombre de programmes, un certain nombre de chapitres. Au cours de la semaine, vous aurez à faire certains projets. Et quand on se fera les samedis, on va réaliser justement ces projets. Ce sera vraiment des projets pratiques. Je vous encourage vraiment à vous mettre là. N'attendez pas. Rejoignez le bootcamp Apprenez à coder. C'est une première en Côte d'Ivoire. À la fin, vous avez vraiment un certificat. Et surtout, vous avez les bases. Avec ces bases, vous pourrez maintenant vous décider de vous orienter soit dans le web, soit dans le développement d'applications, soit dans la science des données, dans tout ce que vous souhaitez faire. Voilà, c'était ce que je voulais faire pour ce petit IGTV. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à écrire des commentaires, dites-moi. D'accord, c'est vraiment important. La page, là voilà. J'espère que vous voyez. Voilà, c'est la page. Donc, le lien, il est dans ma bio. Il est vraiment dans la bio. Vous partez, vous cliquez sur le lien dans la bio. Et, attendez que je reviens de ça. Alors, voilà. Quand vous cliquez, vous allez arriver sur cette page. D'accord? Vous allez arriver sur cette page. Et, voilà. Donc, le bootcamp, c'est là. Apprenez. Si vous cliquez là-dessus. Cliquez là-dessus. Et, vous allez voir, vous cliquez sur s'inscrire maintenant. Vous vous inscrivez maintenant, bien sûr, vous allez vous connecter, tout ça. Après, vous êtes connecté. Vous vous inscrivez. On va vous dire comment vous inscrire, c'est pas compliqué, mais il vous faut avoir un ordinateur et vivre à Abidjan, précisément, en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Allez, surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours les gars.